Et bonjour à tous, c'est Brian Sansou pour une nouvelle vidéo sur Alien Nation pour l'épisode 30. Alors attendez, juste allumer c'est le minuteur, chronomètre plutôt, voilà. Alors pour l'épisode 30, donc on continue notre let's play. Alors ça fait longtemps parce que je suis tombé malade, du coup je peux plus faire de vidéo, voilà. Ça, c'est une qualité de merde autrement. Non, pas encore. Je suis un peu dans la merde. Fusil à pompe 3. Oh là là, pistolet à clou. J'espère que ça a fait effet ça. Bon, par contre, j'ai baissé un peu. Ah, c'est puissant ça. Non, c'est chiant, n'empêche que... Alors, hop. Comment on fait? Merde, faut recharger. Oh non! Je trop charge en faire tout ça. Merci. Voilà, nickel. Oh putain. C'est bon. Moi, ça a l'air d'être bon pour ça. Donc alors, on va voir ce que je peux faire. Après, bon tuyau. Là, j'en fais un, je peux en faire aussi. Hop, ouais, ça, je peux plus en faire. Même, je peux pas en faire. Après. Y'a rien. Bah.
péter, ça raconte. Reste là. Ah non, faut que j'aille là-bas. Putain, ils sont chiants. Ah, c'est bien, ça change. Ah 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 ah. Parce que... Ah, faut que j'aille là-bas. Oh merde! Mais merde! Putain! Mais arrête de... C'est pas droit là! Wesh! Il a pas pris là, putain!
Casse les couilles à pas prendre. Encore un. Merde. Putain, j'usais tout là. Wesh. Non mais il est sérieux. Oula, je sais pas où il était là. Elle vient mettre la tête. Boum. Putain, bande de fils de pute. Tout usé avec vous. J'ai plus rien, pistolet à clous. Oh, je veux vraiment plus rien. Ça qui me casse les couilles. Après, faut que j'aille. Faut que j'aille là-bas, mon avis. Intérêt. Ah ouais, ça faut que j'aille là-bas. Allez. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont venir, parce que alors là, j'ai plus rien. C'est là, il faut tout exploser. Purge. Voilà. Pour décès, compléter, diminuer le jeu, ok. Ricardo, je vais voilà. Purger le nid. Tiens bon. Il en reste encore dans la station. Oh, merde. Je suis désolé, Ricardo. Allez, retourne au bureau du Marshal Rip. S'il
te plaît. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Surtout maintenant, ils sont lents en plus. Oh, je suis dans la merde. Tout ce qu'il y a. Putain. Allez. Il y a rien. Non. Attends, Rip, il se passe un truc bizarre. Tu crois? Va au centre médical, tout de suite. La purge du réacteur a provoqué un redémarrage des systèmes dans Sébastopol. L'éclairage, le transit, peut-être même les communications. Je crois que c'est notre chance. Vas-y! Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais au centre de communication. Alors, c'est où ça? C'est là-bas. Ok. Station de transit. On va sauvegarder. Aussi. Tac. Oui, hop. Comme ça, au moins, c'est bon. Le bouc ça fait ça aussi. C'est ça qui est chiant. Hop là, c'est bon. Allez, laissez tomber. Ça c'est bon. Donc n'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. Et si vous n'êtes pas encore né à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Alors on va attendre que ça passe à l'autre acte. Ah vache. Donc il y en a encore quelques-uns aliens. Je sais pas comment on va les niquer, mais on va les niquer. Cette station dessert Sixon Communication Technologies, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Bon, c'est là. Non, ok, il faut que j'aille encore dans une auto. Tâche. Y'a rien.
toujours sauvegarder avant. Surtout que on évite un rendement. De votre fidèle utilisation du transit de Sébastopol. Tac. Allez, allez, allez. Navette à destination de la tour Saïmed de Sébastopol. Et c'est reparti. Ricardo, je suis dans le centre médical. T'es aux communications? J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Plan B, Rip. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est l'Anesidora. Marlow a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances, mais ça peut le faire. Ok. Donc. Ah, faut que j'aille. Il y a un truc là-bas intéressant qu'ils disent. Il faut que j'aille quand même là-bas. Donc on va aller un petit coup là-bas. C'est où qu'ils disent? Il y a un routeur, ça chauffe au gel. Alors, ok, avec ça. Bizarre qu'il y a que ça. Ah, accès à la porte. Voilà. Je suis Sinclair. Il nous faut des provisions. Prenez ce que vous pouvez, ce que bon vous semble. J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra... Donc après, faut que j'aille... Enfermé en attendant les secours. Des hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs. L'objectif est de rendre l'endroit imperméable. On ne peut pas accueillir plus de monde dans le sanctuaire, mais on peut quand même faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau et des armes. Porte fermée. Si on veut que tout le monde s'en sorte vivant, va falloir laisser la pitié de côté.
Si je passe par là. Ah ouais, je reconnais. Ouais, en fait non, on va pas aller là. On va retourner là-bas sagement. J'ai pas envie de manquer les... de mettre dans une galère pas possible, hein. Que déjà 26 ouais non je pense pas qu'on va s'arrêter là hein. Ça va bien tac, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez salut.